Alors, il faut rappeler que ce livre est un petit livre. Nous avons fait des gros livres, par ailleurs, qui avaient l'ambition peut-être parfois d'être des grands livres. Là, ce n'est pas le cas. C'est un livre de vulgarisation, qui est une commande de l'éditeur, qui inaugure une nouvelle série de biographies, biographies simples, et on nous a confié ce thème-là. Ce thème-là, nous l'avons saisi pour le subvertir et le convertir en un essai sur l'époque dont Hitler serait le signe. L'époque d'avant, celle dont Hitler est l'enfant, le produit, cette époque de modernisation rapide et brutale qui touche l'espace allemand plutôt au niveau du Reich, mais également en partie la ville de Vienne, dont il est un citoyen et qu'il fréquente et qu'il est le témoin et le réceptacle de cette modernisation. Et par ailleurs, la Première Guerre mondiale qu'il vit et qu'il constitue... Qu'il le constitue en homme accompli, selon lui, hein, parce que c'est l'expérience décisive de sa vie, à tel point qu'il n'aura jamais voulu quitter cette guerre, au fond, qui va l'habiter et qu'il va habiter toute sa vie. Au fond, c'est une biographie, puisque nous parlons du personnage d'Hitler, mais nous parlons également des contextes qui l'habitent, l'époque qui l'a produit, et par ailleurs, le système nazi dont il a été un des acteurs, mais un des acteurs seulement. Donc nous essayons de resituer Hitler à sa juste place. Non pas une place centrale, occultante et aveuglante qui nous empêcherait de penser la période, mais à la fois comme produit d'une période, celle qui précède, et comme acteur d'un système, un des acteurs d'un système nazi, d'une gigantesque machine de mort dont il n'est qu'un des éléments. Un élément important certes, mais qu'un des éléments. Ce que l'on voit généralement, c'est que on est tellement, le public est tellement fasciné et aveuglé par cette figure-là que ça nous dispense de penser la période en question.